Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up et quelques swatchs. Je ne vais pas tous les faire. De la Berry 42 de chez Beauty Bee. Donc, quand ils ont sorti la Midnight et la Earthy, ils ont sorti la Berry, mais en petit, en 20 fards, je crois. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne la sortent pas en grand? Ça fera pas beau dans ma collection de palettes Beauty. Mais vous voyez, c'est pas la même taille. Donc, du coup, j'aimais bien les teintes, mais je ne l'ai pas acheté. Et j'ai bien fait, puisqu'ils l'ont sorti enfin en version 42. Donc, je suis contente. Donc, j'adore les palettes comme ça, Beauty B. Il y en a une autre qui va sortir là pour... je crois que c'est le mois prochain. Là, elle va bientôt sortir. Donc, voici les teintes. On est totalement dans du rose. Il y a un petit peu de pourpre, violet, aubergine et du bordeaux. Voilà. Alors, c'est pas mes teintes de base, on est d'accord, mais c'est des teintes que j'adore utiliser quand même de temps en temps. Surtout tout ce qui est bordeaux, burgundy, vous voyez un peu ce genre de teintes. Les roses, j'adore les roses un peu peps, comme ça, corail. Celui-ci, c'est un raspberry, il a un framboise, il a l'air magnifique. Il y a un rouge, je mets déjà mes doigts dedans. Il y a un rouge juste ici. Donc, c'est topissime. Alors, la quantité chez eux, je ne sais plus. Ça devait être marqué sur la boîte, mais je ne l'ai pas gardé. Comme ça. Je ne sais plus. Ah si, c'est marqué là. 1,4 g par fard. Donc, c'est une énorme quantité pour des fards à paupières. Là, il était à 28 € plus les frais de port. Hein, parce que maintenant, on n'a plus les frais de port offerts sur Beauty Bay. Donc, elle m'est revenue à 32 €, on va dire, en gros, pour 42 fards. Donc, ça revient à moins d'1 € le fard. Donc, c'est très bien. Et c'est quand même une très grosse quantité. C'est une très bonne qualité. Voilà, j'adore ces palettes-là. Sauf que la Earthy et la Midnight, quand je les ai achetées, elles étaient à 25 €. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est pas le même prix. Bref, je vous mets d'ailleurs les deux swatches de make-up, enfin, les vidéos en lien avec ces deux palettes-là en barre d'infos. Alors, on a sur les 42 fards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fards lumineux. Et le reste, c'est du mat, donc c'est une très bonne, un très bon ratio. Il y a vraiment moyen de moyenner à fond. Celui-ci a l'air magnifique avec plein de petites paillettes dedans. Les autres, c'est plus des... Bah, c'est vraiment que des irisés, hein. Il n'y a pas de pure paillettes. Celui-ci est plus pailleté que les autres. Voilà. Écoutez, celui-ci pour le coin interne, je pense qu'il va être totalement canon. Bah écoutez, on va attaquer tout de suite. Donc je vais partir dans les teintes un peu bordeaux parce qu'aujourd'hui je vais m'habiller en version automnale. C'est ce que j'adore. Mais on va quand même essayer de mettre un tout petit coup de peps avec du rose un peu plus peps, tout simplement. Voilà. Donc je me rapproche. On s'attaque un petit make-up et après je ferai quelques swatchs avec vous de fards qu'on n'aura pas utilisé lors du make-up. Donc je vais commencer avec un creux large. Le problème c'est quand il y a autant de teintes. Ah, mais j'ai un poil qui me chatouille, je ne sais pas où. Quand il y a autant de teintes, c'est de faire un choix. Ça c'est un peu plus compliqué. J'ai envie d'utiliser absolument celui-ci qui est le... Je ne sais pas lire. Franchement, je ne sais pas lire les teintes sur ces palettes-là parce que c'est écrit en holographique. Donc, c'est Fever, je crois. Ça a l'air d'être ça. Mais écoutez, je vais partir sur celui-ci. On va partir dans le soft pour le creux large. Et on verra bien où ce qu'on va juste après. De toute façon, je vais faire un make-up un peu plus que classique puisque je n'ai pas beaucoup de... Je me prépare en même temps que je filme pour aller à l'anniversaire de mon momo. Bon, on fait pas grand chose, hein. On va juste manger un bouquet. Ah non, ils nous ont invité à manger à midi. J'ai oublié. Donc, je filme. J'en profite pour filmer en même temps, comme ça je prends pas trop de retard parce que vous allez voir que c'est la semaine normalement des swatching make-up. Hein. Normalement, vous allez, si tout se passe bien, que je reçois bien mes commandes comme c'est prévu, vous allez avoir un swatch and make-up tous les jours de cette semaine.
Quand je vous dis que j'ai craqué mon slip, j'ai craqué mon slip. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des achats palettes à ce point-là. Donc on est toujours sur la qualité Beauty Bay, il n'y a jamais rien à dire avec eux. C'est un truc de dingue. Alors avec un pinceau beaucoup plus précis, je vais prendre la teinte. Donc celle que j'ai prise, c'est Doll. Et on va prendre la teinte. Oh, pizza! Amy, il y a une teinte juste pour toi là-dedans. Pizza. Mais ça a l'air d'être bien ça, hein. Je m'excuse si je me trompe de teinte. Hein, mais... Et je vais faire un creux plus précis avec cette teinte-là. Et oh, j'adore la teinte. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup cette teinte. Donc, je reprends le premier pinceau pour dégrader le bord. J'essuie et je reprends la première teinte Doll pour ben, la remarquer un peu parce que l'autre phare l'a mangé, mais ça reste quand même une jolie transition. J'aime beaucoup. Ok, alors je prends un pinceau plat et je vais du coup prendre la teinte Fever que j'avais trop envie d'utiliser. C'est un vrai bordeaux magnifique, un rouge sang. Trop beau. Ah ouais, il est même plus rouge sang que bordeaux finalement. Donc je mets ça sur un tiers de ma paupière mobile et en ras de cils externe aussi. Je viens de sortir une chute où je rêve. C'était vraiment cette teinte-là qui me bottait pour tester là. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup les teintes. Je reprends ce pinceau-là et je blende. Alors, j'essuie mon pinceau, je garde le même, toujours en mode feignasse. Et je vais passer au. Je vais prendre le Loyalty ici, qui est plus bordeaux du coup, pour intensifier un peu plus mon coin externe. Il est très beau aussi. Oh, j'adore cette teinte. Là, on est plus sur du bordeaux. Hein. Je prends ce pinceau-là pour blender. Voilà, on verra après où ce qu'on va. Donc, je reprends mon pinceau plat que j'essuie. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Et je vais du coup passer au stiletto, qui est celui qui est le plus pailleté. Celui-ci aussi est pas mal pailleté, mais celui-ci, c'est le plus. Donc, du plus. Que je mets sur le reste de ma paupière. Donc, au pinceau, ça fonctionne. Mais on va quand même y aller au doigt. Hein. Vous vous en doutez bien. On voit bien les paillettes en tout cas. Hein. Bien, bien. Ah oui. Ouh, c'est beau ça. Bon, ça, c'est encore plus beau. Rien de tel que les doigts. Pour les fards lumineux. Rien de tel que les doigts. Et c'est plus facile à nettoyer aussi. Alors, je vais peut-être essayer de mettre quand même encore plus de pétouille. Ici le Alba. Ouais, c'est ça. Alba, Aldia, Aliba, je sais pas. Je sais pas lire. Et je vais mettre ça juste au centre. Il est plus doré que ce qui n'a l'air dans le panne, mais il est très beau. Oh, c'est beau ce que je fais là. Ouh là là. Ouh là 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 là. J'aime beaucoup. Je prends un petit pinceau boule et je vais prendre le Cloud. Ici pour le coin interne. Ouais, il est beau. On va intensifier un petit peu.
vraiment idéal pour le coin interne. J'essuie mon pinceau et du coup je vais prendre le rose, il s'appelle rose, juste ici, pour mettre en coin interne. Enfin, je vais continuer mon... Oula, il est bien pigmenté. Je vais repasser sur mon racine avec, avec celui-là pour donner le petit coup de peps, sans trop en faire. Donc je dégrade avec ce pinceau-là, ici. Je prends un pinceau pour estomper un pinceau propre. J'estompe partout, partout, partout. Et je vais mettre quand même un petit coup de paillette sous mes chenilles. Donc je garde ce pinceau-là et ben je vais reprendre le cloud. On va pas en mettre les autres si on a l'air un peu trop coloré. Donc je balaye légèrement mon arcade sourcilière. Et voilà pour les fards. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mascara, crayon, rouge à lèvres, liner et tout ça, petite fioriture. Je viens vous remontrer ce que ça donne. On parle de la palette après et on fait quelques swatchs de fards qu'on n'a pas utilisés. Et donc voilà le look final avec ces deux palettes, j'aime beaucoup. Alors j'ai oublié de mettre du liner, donc voilà, mais ça donne très bien aussi. Sur les lèvres, j'ai mis le Santa Baby de chez Jeffree Star. Et j'ai fait le contour avec le Toast, le crayon Toast de chez Beauty Bay également, que j'aime beaucoup. C'est un très beau nude, donc il est parfait pour faire le contour des lèvres, peu importe le rouge à lèvres que vous mettez. J'ai un petit peu bavouillé ici, mais c'est pas grave. J'en ai pas sur les dents, ça a l'air bon. Alors, on va commencer par faire quelques swatchs. Alors, attendez, je remonte ma manche. Et je sors une ingette. Alors, on va du haut vers le bas, on va swatcher celui-ci. Qui a l'air très, 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 très beau. Qui est le Sofa. Oui, ça a l'air d'être ça. On va swatcher celui-ci, qui est le Garnet, je crois. Je sais vraiment pas lire. Hein. J'ai beaucoup de mal. Déjà que j'ai mal de la tête avant de me concentrer. Ils sont doux, les fards. C'est un truc de fou. On va swatcher celui-là, que j'ai pas utilisé. Le... Bon, je sais pas lire. Je sais plus de lire. Et celui d'à côté... qui est un peu plus orangé. Et ça m'a l'air pas mal tout ça. Ouh. Ouh. Oh là 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 là. C'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Si tu mets toi. Alors, on va ensuite swatcher celui-ci. On va swatcher celui-ci. Celui-ci, c'est le genre de teinte que j'adore pour la transition. Et j'avais envie de swatcher celui-ci. On est sur du joli quand même. Hein. Ah oui, ça. Voilà, c'est vraiment très 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 beau et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la qualité Beauty Bay, rapport qualité-prix, je crois que j'ai jamais trouvé mieux. Il y a d'autres marques hein, que j'adore qui ont une qualité exceptionnelle, mais vraiment ceci c'est par rapport au prix, c'est les meilleurs avec Colourpop, mais Colourpop c'est un peu plus compliqué et plus cher. C'est pas cher à l'achat, mais c'est plus cher à fournir avec les frais de douane et tout ça.
Mais voilà, j'adore, j'adore, j'adore ces palettes Beauty Bay. Vu le prix, je me prive pas quand elles sortent parce que je sais que je les utiliserai d'une manière ou d'une autre. Alors j'allais dire que je baisse ma manche parce que j'ai froid, mais vu que c'est de la dentelle, ça change pas grand chose. Mais j'ai quand même l'air baissé parce que voilà. Là, j'ai hâte de voir celles qui vont sortir pour la collection d'automne. Là. Elle a l'air très, 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 très sympa. Ils ont fait un micro-spoil, mais on voit pas vraiment ce que c'est, mais ils ont fait un micro-spoil. Et franchement, voilà, si vous aimez les teintes rosées, les teintes aubergine, prune, bordeaux et tout ça, je vous la conseille à 1000%. Hein. De toute façon, Beauty Bay, vous pouvez pas vous tromper. C'est une valeur sûre. Voilà, voilà, j'adore, 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 j'adore. Donc, je suis bien contente. On la réutilisera, hein. Je vais déjà la mettre dans les trucs par ordre alphabétique, là, une palette à make-up en ordre alphabétique. J'essayerai de faire un réel quand j'aurai pris un peu plus d'avance dans mes vidéos, parce que je traînasse, mais il faudrait que j'avance dans mes vidéos. Surtout que là, je viens de me remettre une charge de travail avec une semaine de swatch et de make-up, n'est-ce pas? Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté, ou si vous avez le petit modèle. Ce que j'essaierai de faire, je sais vraiment pas quand, hein, je vous promets que je le ferai, mais je sais pas quand. Je vais comparer les teintes de la petite avec la grande et je ferai un make-up en utilisant que ceux qui sont dans la petite pour ceux qui l'ont acheté avant que la grande ne sorte. Comme ça, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté déjà sur Instagram, donc je ferai ça, mais je sais pas quand. Hein. Si ça se trouve, ça sera pas avant l'année prochaine, mais je vous le ferai. Voilà. Donc demain, on se retrouve avec le swatch and make-up de la collection Harry Potter et de Colourpop. Bref. Et donc voilà. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon toute la semaine pour les social make-up. Normalement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.